Salut à tous, moi je vous retrouve pour une nouvelle escapade en France. Cette fois-ci je vous emmène en Champagne à l'occasion des vendanges et je vais commencer la découverte de la région par la visite de Reims. Allez, c'est parti. Et maintenant je me trouve à Épernay, c'est la capitale mondiale du champagne. Donc, je vais vous donner quelques chiffres qui font mal à la tête et pas besoin d'avoir du champagne pour ça. Épernay, c'est une quarantaine de maisons de champagne, il y a 110 km de caves et surtout 200 millions de bouteilles de champagne. Et l'un de mes gros coups de cœur du séjour, ça a été de séjourner dans les cottages Antoinette, juste ici, c'est en plein milieu des vignes, des belles maisons contemporaines, c'est le repos absolu. Et là je viens d'arriver dans la forêt des Faux de Verzy. Bon, déjà le spot est magnifique, c'est calme, c'est vraiment agréable. Mais ce qui est le plus improbable, il y a des arbres qui poussent de manière assez bizarre, assez tordue. Et on se croirait dans un film de Tim Burton, clairement. Et là je viens d'arriver avec Christine du domaine Pio Sevillano. Donc là je vais faire quoi aujourd'hui? Et bah tu vas couper des raisins. Il me faut un sécateur alors. Il faut un sécateur, tiens. Là c'est parti. Film ? Ouais. Ouais, pas ouf.